La suite de nos vacances en famille. Dimanche, c'est plutôt pas mal, sauf que bah on est tombé dimanche, carnaval. Après avoir profité du carnaval, on cherche l'Alcazar pour le visiter. La queue de dingue. Après 45 minutes de queue, on rentre enfin dans le monument. L'Alcazar des rois chrétiens est l'un des monuments les plus emblématiques de cette ville qui date du XIVe siècle. Il est unique à l'UNESCO, comme la mesquita, qui est malheureusement fermée aujourd'hui. Après l'Alcazar, on flâne dans la ville. Après un passage en ville, on retourne dans nos montagnes et petite surprise à peine garée. Plus d'une centaine de chèvres! Pendant que Marion profite du soleil pour lire dehors, nous partons en randonnée avec Baba et Nelka. Sur le sentier du retour, nous avons aperçu des ruches au loin. Nous nous sommes doucement approchés pour les observer. J'attends mes randonneurs. Vous êtes
étions bien installés, malheureusement, la Guardia Civile nous a demandé de quitter la montagne pour la nuit. Visite de la ville, nous réservons des tickets pour demain à l'Alhambra. Nous prenons l'audio guide pour faire la visite et avoir un maximum d'informations sur les différents monuments de l'Alhambra. C'est l'acropole médiévale la plus majestueuse du monde méditerranéen. Elle se compose de quatre parties, l'Al-Kasba, les palais Nasrid, le Général Haïf, ses jardins et le palais de Charles Quint. Mes guides. Après 3 heures, la visite est enfin terminée. Attention aux voitures. Ah bah non, on me dit allez-y, mais on ne va pas marcher sur une fête. Super barbecue sur la route et après petite randonnée pour monter au pic de la Vierge. Naika a retrouvé sa vraie nature de chien traîneau. Elle est heureuse dans la neige.
Après une nuit dans les montagnes, la vue est spectaculaire. Retour à Malaga pour le dernier week-end. Voilà, c'est terminé pour mes 15 jours de road trip en famille. J'espère que la vidéo t'a plu. On se dit à bientôt au Portugal. Pense à mettre un pouce et à laisser un commentaire pour donner ton avis. Oh non ! C'est pas vrai, il n'est pas content. Ouais.